La pépite de Rabbi Nachman. Ikar Godel Acheshek. D'où est-ce qu'elle vient l'enthousiasme? Al Yede Amenia Shemazmenimlo. À cause des choses qu'on va lui empêcher. Ça veut dire, la Itla Avout dans la Torah, elle va venir grâce à quoi? À cause de quoi? Ou grâce à quoi? Grâce au fait qu'on lui empêche. Comme par exemple un enfant. Il dit, bon, tu veux pas? C'est pas grave, j'ai pas besoin. Non, non, papa, je veux. Non, laisse tomber, j'ai pas besoin de toi. Non, non, papa, j'ai envie. Ça veut dire, grâce au fait qu'on te dit non, toi, Bichal, ça, t'as envie de le faire. Kikshaï, c'est ce réel, lorsque le juif, il veut faire quelque chose pour sa religion, Bifrad, il a envie de faire quelque chose pour son grand tikkun et de faire quelque chose de grand pour sa judaïté. Chez Kol Yahaduto, Talouy Bazé, toute sa Yahadout, toute sa judaïté, elle dépend de ça. Par exemple, quelqu'un a dit, moi, j'ai envie d'aller chez le tzadik ou chez les tzadikim. Azay mazminim lo menia. On lui dit, tu peux pas y aller, il y a plus de billets d'avion. Vezot amenia ibijvi lachashek. Pourquoi est-ce qu'on t'envoie cet arrêt, cet empêchement? C'est tout simplement pour que ton enthousiasme, il vient encore plus et il se développe. Lorsque un enfant, on lui montre quelque chose de très beau. Et après, on lui prend, hop, on lui reprend. Non, non, laisse-moi voir, tu m'as montré quelque chose de beau. Je veux le revoir. Azay urodef meod achare adam. Il court après le papa ou celui. On va kesh vchoshek meod la auto d'avoir. Donc, en vérité, toutes les difficultés qu'on a, c'est pour que nos mitzvot, elles soient pas comptées comme une. Elles soient comptées comme des millions. Parce qu'une mitzvah besimcha, elle est comme, une mitzvah besimcha, c'est comme 100 mitzvot sans simcha. C'est-à-dire que la force de quelqu'un est l'essentiel, en vérité. De toute la raison, c'est comme ce qu'il dit le Baal Shem Tov, d'ailleurs, j'ai vu ça chez le grand-père de Rabbi Nachman, c'est que le Baal Shem Tov, il dit que toute la raison pour laquelle on est descendu sur terre, parce qu'on était bien au Gan Eden. Là, on va retourner au Gan Eden, Bezrat Hashem, après 120 ans, avec le même niveau qu'on était avant, puisqu'on était, là, on est rentré, on est venu, on s'est impurifié, et après, il faut qu'on fasse le tikkun. Eh bien, toute la raison de ce tikkun, justement, c'est que quand tu reviens, quand la lumière, elle revient avec une force, une volonté, une puissance. Et c'est ça qui fait toute la raison de notre descente sur terre. Baruch Adonai, l'or, la madame.